Supporters savoyards, supporters franciliens, prenez place tranquillement dans votre canapé. Le début de soirée commence avec une belle affiche. Créteil en blanc pour poursuivre et enchaîner avec un troisième succès consécutif. Les Savoyards en noir pour oublier cette défaite il y a quelques jours face à Chartres et repartir du bon pied. Et c'est Créteil qui ouvre le score avec Molinier. Yohan Giblin n'avait pas trouvé le 4 sur le premier tir. Là, sur ce tir en appui, il vient complètement fusiller Portner. Et Benjamin Richert qui ouvre le compteur Savoyard. Et là derrière, ça enchaîne bien côté cristolien. Et Felipe Borges. Hein. Oui, qu'on n'a pas beaucoup vu depuis quelques semaines après son TQO. Bras levé sur cette offensive cristolienne. On a encore cherché Aman là. Ouais, cette passe aveugle là qui n'a pas fonctionné. Et derrière, le contre Savoyard, c'est efficace. Et Arthur Amptil à la finition. Là, comme dit, on cherche à bien faire bouger. Giblin, là, c'est bien joué, bien effectué de la part des cristoliens. Je pense que c'est plutôt juste parce qu'il y a eu beaucoup de ballons récupérés hein, de la part de la défense elle-même. Alors là, impeccable. L'angle était extrêmement fermé. Yohan Giblin, qui a vu justement la taille des défenseurs savoyards devant lui. Et là, belle réponse, là. Barbascas, le réveil. Chambéry, il va falloir recoller avant la mi-temps. Gonileos, parfaitement exécuté cette passe à l'aveugle. Malheureusement, Paturel ne convertit pas. Le contraire sur ce contre Ewan Kervadec qui, lui, est plus en réussite. Et plus 2 pour Créteil. Oui, alors, le Chambérien là, qui semblait demander une faute hein, sur Paturel. Il y a des possessions faciles qu'il faut à tout prix mettre au fond. Trita, c'est magnifique ça. Cette petite roucoulette face à Dylan Soyer. Ça combine avec quelques difficultés quand même côté Créteil. Et encore une fois, le festival. Ça combine bien là, les largesses défensives puisque Créteil est réduit à 6. Ouais. Le nouvel arrêt de Portner là qui est dans un temps fort et qui permet à Chambéry de contrer. Richert qui va, qui met le ballon sur le visage de Dylan Soyer. Trita, et voilà. Ouais, pas de possibilité si à l'instant pour les Savoyards. Très bien Jean joué. Jean Faustin, hein. Gonileos, Trita, ça combine bien avec la petite roucoulette. Gonileos, okay, la passe à l'aveugle. Si ce but il y est, il est fantastique. La combinaison passe à l'aveugle de Gonileos et le but transformé par Arthur Amptil. Quelle fin de match là. Et le but de Ewan Kervadec qui lui aussi fait le boulot ce soir. Mais en tout cas on sait qu'il y a quelque chose à faire en plus avec ce but là de Barbascas qui permet encore de recoller à 2. Hein. Un avantage de plus 3. Beaucoup de réussite. Hein. On l'a vu, on était vraiment pas loin de l'interception du côté de Chambéry. Ouais, c'est dommage pour Chambéry. Hein. S'il aurait fait du bien ce stop. À moins de 2 minutes à jouer, 3 buts. Il va falloir trouver une solution rapide. Hein. Ouais, et on en a pas beaucoup là. Trita qui tente sa chance, c'est dedans. Ce tir raté donc de Valentin Aman. Et voilà, c'est fini. Troisième succès consécutif de ces hommes qui sont dans une dynamique de feu.